Bonsoir. Je vais demander aux membres du conseil municipal de me rejoindre sur scène. Ne soyez pas timides. Martine Thompson. Sylvia Thibault. Michel Abdo. Elisabeth Lopez, pour l'anniversaire, Pierre Vibet, Alexandre Fachin, Guy Bizet, Hervé Forconi, Romain Touzelin, Marie-Céline Bibot, Patrick Philippe, Émilie Gaspard, Christelle Poulikin, Mireille Bellegarde, Nicolas Garessus, Corinne Gazagnon, Bruno Luigi, Julie Canal, Florence Brunois, Claude Collin, Tino Léotard, Jean-Luc Riquier et Frédéric Monceau. Mesdames et messieurs les élus, cher Gilles, maire de Villiers, si tu veux, tu peux venir me rejoindre, si vraiment ça te fait plaisir. Et les élus aussi de Marolles, que j'ai vu, et donc peut-être d'autres communes qui sont là. Messieurs les représentants des corps constitués, des associations, de l'éducation nationale, des entreprises, chère Angie Pontaine, chère Angie Pontaine. C'est un réel plaisir de nous retrouver aujourd'hui après 2 ans d'absence pour cause de Covid. Entre-temps, une nouvelle équipe municipale s'est installée et peut-être que vous découvrez derrière moi de nouveaux visages. Alors, une fois n'est pas coutume, permettez-moi de commencer par remercier les élus, de l'opposition comme de la majorité, pour leur engagement, car la période est un peu difficile et l'engagement n'a rien d'évident par les temps qui courent. Je remercie aussi tous les bénévoles des associations, les Longipontaines et les Longipontains qui participent à nos ateliers citoyens, ou au CODEVIC, le comité de développement et de la vie citoyenne de l'agglomération. Tous agissent bénévolement pour que nous vivions mieux ensemble. Ensemble. Ce mot si banal prend aujourd'hui tout son sens pour combattre l'intolérance et l'individualisme qui a grandi sur le terreau de l'angoisse collective. C'est pour cultiver ce mot que nous avons décidé de maintenir cette séance des vœux malgré les difficultés budgétaires. Les vœux du maire, c'est un moment important de la commune parce qu'ils nous permettent de nous retrouver autour de notre projet collectif et autour d'un verre, ce qui ne fait pas de mal. Ensemble, c'est aussi autour de ce mot que se bâtit le budget 2023 qui, comme vous le savez, est assez compliqué. Si tous les arbitrages ne sont pas encore faits, nous avons décidé de ne pas toucher à 3 budgets. Celui de la culture et des associations, celui de la jeunesse et celui de l'action sociale. La culture et les associations, souvent sacrifiées en période de vache maigre, parce que c'est essentiel pour la cohésion sociale, pour cultiver la tolérance et l'ouverture d'esprit. La jeunesse, parce qu'elle a lourdement souffert du Covid, bien plus qu'on ne le croit, et parce que l'avenir de notre planète est en grande partie entre ses mains, accessoirement, l'avenir de nos retraites également. Le club ado de Longpont fonctionne bien, à tel point que les villes avoisinantes nous l'envient et qu'il y a même des Saint-Michelois qui aimeraient bien le rejoindre. La quarantaine de jeunes qui y participent s'investit dans la vie de la commune, une façon de financer leur séjour d'été qui est subventionné par la mairie. De même, le conseil municipal des enfants regorge de projets, peut-être un peu trop, et les en remercie. L'action sociale, parce que le vieillissement de la population
va nous conduire à de nouveaux accompagnements auprès de nos seniors, et parce que la crise frappe de nouveaux publics que l'on ne peut pas laisser au bord du chemin. Ce sont les deux conclusions essentielles de l'analyse des besoins sociaux qui a été réalisée en 2022. Ensemble pour affronter les tempêtes de cette société du libéralisme échevelé et de la surconsommation qui semble inexorablement nous conduire droit dans le mur. Après 2 ans de pandémie, la guerre en Ukraine s'est invitée à nos portes. Mais non, ni la crise du Covid, ni la guerre en Ukraine, ni même le redémarrage un peu lent de nos centrales nucléaires ne saurait justifier des multiplications par 3, 4, 5, 6, 7, selon les experts, des prix du gaz ou de l'électricité. Cela ne répond à aucune logique économique, si ce n'est celle du profit immédiat. Selon la lettre financière vermimen.net, vous voyez que j'ai de saines lectures. En 2022, les entreprises du CAC 40 ont rendu à leurs actionnaires 80,1 milliards d'euros, soit le niveau le plus haut jamais enregistré depuis que cette étude est faite, soit 2003. Un magnifique exemple de sobriété, vous en conviendrez. 80 milliards d'euros, c'est également le montant estimé de la fraude et de l'évasion fiscale, à comparer aux 10 milliards d'euros de trous qui nous voudraient de travailler 2 ans de plus. Notre société de surconsommation fonctionne toujours à plein régime. Je vous invite à aller visiter le centre de traitement des déchets de Vert-le-Grand dont vous a parlé Sylvia. Vous verrez la fosse à déchets ménagers, c'est-à-dire tous les déchets qui ne sont pas triés justement et qui vont être incinérés. C'est une vue absolument apocalyptique, digne d'un film d'anticipation, et qui traduit toute l'absurdité de notre société de consommation. D'où l'importance de trier, de recycler, ce dont vous a parlé Sylvia. J'en profite pour saluer l'action du nouveau président du Cyrédon, Olivier Thomas, le maire de Marcoussis, qui a permis de rembourser avec 1 an d'avance l'abyssale dette que lui avait généreusement laissée son inénarrable prédécesseur. Ce modèle de société s'est installé progressivement par la glorification de la réussite individuelle. Si je veux, je peux, quitte à marcher sur la tête de mon voisin. La transformation du citoyen en consommateur. Je paye, donc j'ai droit. L'accélération du temps. Tout de suite, maintenant, comme des nourrissons. Et le dénigrement systématique de l'action collective, de l'intérêt général, du service public, de ses agents et de ses ressources. Qui peut s'étonner aujourd'hui de l'effondrement de l'hôpital public et de notre système de santé en général? C'est la chronique annoncée depuis 40 ans de l'effondrement généralisé de tous nos services publics. 40 ans d'obstination libérale, de financiarisation à outrance de toutes les activités, de réduction des effectifs, de politique du chiffre, de fermeture du service sur les territoires, de dévalorisation des professions. À la place, la charité a plus de chèque essence qui nous ramène 2 siècles en arrière. Les membres du Conseil national de résistance doivent se retourner dans leur tombe. Ensemble, vous l'aurez compris, l'équipe municipale ne partage pas cette vision. C'est pourquoi nous sommes attachés au service public local de proximité. Celui qui a tenu bon pendant la crise du Covid, par exemple en organisant le portage des courses chez les seniors ou en rouvrant les écoles parfois dans des conditions un peu ubuesques.
En 2022, c'est le service public local de proximité qui a permis d'accueillir les enfants de l'école Jean Ferrat dans de bonnes conditions, avec une nouvelle salle construite dans un temps record, ouverte également aux associations. C'est lui, le service local de proximité publique, qui a permis aux enfants de Longpont de dessiner cette magnifique cartographie sensible que vous pouvez trouver à l'entrée. C'est lui qui a permis de proposer des moments festifs, comme le festival du Cotipo, le festival ici et ailleurs sur le Portugal, les week-ends de Noël. C'est lui qui a permis de rénover notre site internet, qui sera, qu'on avait bien besoin, et qui sera lancé prochainement, mardi prochain, et qui sera suivi par une application sur smartphone. C'est lui qui a permis de redynamiser l'école de musique. En 2022, le service public de la commune et de Pierre-de-Saint d'agglomération a permis aux riverains de la rue d'Arrier de pouvoir circuler en sécurité sur un vrai trottoir, ce qu'ils attendaient depuis 30 ans. Certes, je reconnais que le chantier est un peu long. En 2022, le service public local s'est attelé à la basilique pour lui redonner son éclat, avec des partenaires, bien sûr. Je tiens à remercier la Société historique de Longpont et son chef de chantier Alain Seigneur, les financeurs, l'État, la région, le département, la Fondation du patrimoine et de nombreux donateurs, Monsieur Pittet, l'architecte aussi passionné que passionnant, et les entreprises et leurs ouvriers, ces artisans du patrimoine, avec une mention spéciale pour Alex, ce jeune et brillant chef de chantier maçonnerie. Je vous invite le 4 février pour une journée d'inauguration de cette magnifique réalisation, une journée festive avec notamment une mise en lumière et en musique de la basilique à 20h et un concert de gospel. Vous avez aussi des programmes qui sont à votre disposition. Autour de la basilique et de la mairie rénovée, c'est tout le centre-ville qui pourrait se redessiner. Le projet de la médiathèque de Pierre-de-Saint agglomération, objet d'une concertation ouverte à tous les habitants en novembre, ouvre des perspectives autour de cette grange Odine. La grange Odine qui attend d'être rénovée depuis 1992. En 2023, nous réfléchirons ensemble au devenir de cet ensemble qui va au-delà de la simple médiathèque. Également, dans le centre-ville, l'agrandissement du cimetière a fait l'objet d'une concertation et les premières esquisses devraient intervenir en 2023. Toujours en 2022, le service public local a amélioré les conditions de circulation des cyclistes avec des aménagements de sécurité. Certes, ce n'est jamais suffisant, je le reconnais. À apporter soutien et écoute aux personnes âgées et isolées ou en difficulté. À lancer le projet de la mutuelle communale. A permis à tous les habitants de bénéficier d'une maison médicale. Malheureusement, deux généralistes nous ont fait faux bond. Ils ont sûrement trouvé mieux ailleurs. Merci au docteur Le Petit et à Martin Thompson pour sa ténacité. Comme pour les retraites, on lâche rien. S'il est un domaine où le service public local a un rôle important à jouer, c'est bien celui de la transition énergétique. Longpont a été précurseur dans le domaine de l'éclairage public, avec l'extinction des feux entre 23h et 5h du matin. À l'époque, quand nous l'avions pratiqué, ce n'était pas forcément évident. Et comme vous pouvez le constater, toutes les villes de l'agglomération et même de nombreuses villes de France le font. La différence à Longpont, c'est que nous allons bénéficier de l'application J'allume ma rue, qui a tardé à s'étendre, mais qui va commencer, dont le déploiement est prévu à partir de maintenant, et qui devrait durer jusqu'en septembre. La commune consacre 30 000 euros de budget, qui abonde le budget de l'agglomération, pour accélérer le changement des ampoules par des LED. Les ambassadeurs de la transition énergétique sont à l'œuvre cet hiver avec la caméra thermique que la commune a achetée pour vous aider à vous lancer dans la rénovation thermique
de vos invitations. Ensemble, en 2023, le service public local va permettre de rénover le gymnase. Vous le savez, nous avons préféré stopper le projet précédent face à une envolée des coûts. Bien nous en a pris. D'abord parce que nous avons trouvé, avec l'aide bénévole d'un longicomptin, Tony, que je remercie, une autre solution technique. Ensuite, parce que le coût des matières premières est en train de se stabiliser, voire de baisser. Enfin, et surtout, parce que nous avons eu un magnifique cadeau de Noël, l'Agence nationale du sport nous a attribué 1 million d'euros de subventions. Vous avez bien entendu, 1 million d'euros. J'avoue que j'ai relu la notification plusieurs fois en me demandant s'il n'y avait pas un zéro de trop. Et ce million s'ajoute bien sûr aux 700 000 euros de l'État que nous avions déjà obtenu. Je sais, Gilles, tu es très généreux. Cela nous laisse davantage de marge de manœuvre pour d'autres projets. D'autant que le travail de désendettement de la commune depuis 2017 nous donne une meilleure capacité d'investissement. En 2023, un programmiste, il a déjà commencé à travailler, va travailler sur les équipements sportifs pour voir comment répondre aux besoins croissants des sportifs, notamment du club de tennis, qui est victime de son succès. Ce programmiste a rendu fin 2022 une étude sur les écoles en lien avec une étude démographique que nous vous présenterons très prochainement. Toujours dans le cadre de la transition énergétique, la rénovation thermique de la mairie va se poursuivre avec le changement de la chaudière fioul, vraisemblablement par une pompe à chaleur. L'un des axes importants de notre programme, c'est le cadre de vie. Un groupe de travail composé d'élus de la majorité et de l'opposition travaille sur le bois des échassons. Ce groupe sera étendu aux habitants. Enfin, le service public local porte le projet Sésame de transition agricole de Cœur des Seines Agglomération. Ensemble, vous l'aurez compris, je salue le travail des agents. Voilà une dizaine de jours, je me suis rendu à Jean Ferrat à 6h30 du matin pour faire ce qu'on appelle un vis-à-vis avec le personnel d'entretien et de restauration. Ça consiste à travailler avec eux. C'est la meilleure façon de voir le travail des agents, ce qui parfois peut faire changer quelques orientations budgétaires. J'ai vu une équipe uniquement préoccupée par le bien-être des enfants et des enseignants, comme le travail des enseignants. En 2022, j'ai également eu l'occasion de jouer l'animateur un midi à la maternelle de l'Orbeau. Comment vous dire ? Je pense que ce sont les deux heures les plus épuisantes que j'aurai dans mon mandat. Et je suis resté admiratif face à tant de professionnalisme et d'enthousiasme. Mais vous, les parents, vous le savez, on a une équipe d'animateurs comme ça. Les matinées propreté et élus agents, que nous faisons quatre fois par an avec les techniques, sont aussi l'occasion de voir nos agents à l'œuvre. Et il m'arrive de tourner avec la police municipale, dont les effectifs ont augmenté l'année dernière et seront renforcés également cette année, qui agit au quotidien pour notre tranquillité et bien souvent tout simplement pour rendre service. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je souhaite également mettre en avant notre équipe de direction qui a su garder la boutique pendant 3 mois, le temps que notre nouvelle directrice générale des services, Flora Brett, arrive le 2 janvier. Flora, bienvenue à Loncon, à la tête de cette belle équipe. Et permettez-moi d'attribuer une mention spéciale à Cécile, mon assistante, le top du service public, qui a entre autres comme rude tâche de mettre de l'ordre dans mon désordre. Entendons-nous bien, je ne suis pas naïf. Comme dans n'importe quel collectif de travail, il y a des dysfonctionnements,
il y a des gens qui font bien leur travail, d'autres moins bien. Mais quand je vois comment les opérateurs de téléphonie ou l'installateur de réseau des entreprises privées, quand je vois le travail qu'ils font sur la fibre, je me dis, on n'a vraiment pas à rougir de notre service public. Merci mesdames et messieurs les agents. Je sais combien il n'est pas simple de faire face à l'agressivité de certains citoyens, de remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier pour répondre aux incivilités en tout genre. Merci de travailler pour la collectivité quand le repli sur soi gagne du terrain. Merci et bravo. Bien évidemment, le service public local s'appuie sur des partenaires. Je pense notamment aux associations. 2022 a vu la création de 3 nouvelles associations. Le Jardin du 50, un jardin extraordinaire que ne redirait pas Charles Trenet. L'Ongi-Harmonie, qui nous régale d'un marché de Noël superbe. Et l'Emploi-Âge et Partage, qui anime la vie de nos anciens et lutte contre la solitude. Je ne peux pas les citer toutes, mais soyez certains du soutien de la municipalité. Juste un petit message à l'association de parents d'élèves. Si vous continuez à nous sortir autant de projets, tout le service local va vous être consacré. Je pense aussi à nos financeurs et à certains services de l'État qui nous soutiennent, en particulier dans notre politique de lutte contre les constructions illégales. Nous ne céderons rien sur ce terrain-là. Et certains chalets finiront bien par tomber. Je pense aux entreprises qui nous accompagnent au quotidien, à nos commerçants, nos artisans qui subissent de plein fouet la crise et qui contribuent à animer notre commune et à offrir du service aux longitudinaires. Le service public fonctionne aussi avec des élus. La bien nommée équipe d'ensemble pour longtemps. Vous êtes tout ce que peut espérer un maire, une équipe soudée, enthousiaste, pleine d'humeur et d'humour, dynamique, imaginative, vigilante, exigeante, pour m'empêcher de me reposer sur mes lauriers. C'est parfois fatigant, mais c'est efficace. Et merci à nos familles de supporter nos absences, nos angoisses et nos doutes. Merci Florence, merci Tom. Ensemble, réveillons-nous. Il est urgent de retrouver le chemin de la solidarité et de la fraternité dont nous faisons preuve face aux drames, comme la guerre en Ukraine. Les Longipontins se sont mobilisés pour récolter des vêtements, des couvertures. Certains ont logé des réfugiés et la commune a mis un logement à l'entrée du parc de Lormois à leur disposition. Malgré ce monde qui marche sur la tête, je reste un indécrottable optimiste. Le programme du Conseil national de la résistance s'appelait « Les jours heureux ». Il fallait le faire quand même, en pleine occupation nazie, appeler son programme « Les jours heureux ». Une période bien plus noire que la nôtre. Alors, retrouvons ensemble le goût des jours heureux. Un Longi Pontin qui a travaillé dans le cinéma est venu me voir et m'a proposé un festival des films bonheur, des films heureux, des films optimistes. On a commencé à travailler sur ce sujet, j'en ai parlé à mes collègues de l'agglomération, j'ai bien compris qu'ils se mettent un peu de bois, mais c'est pas grave, ça leur plaît aussi. Alors, merci Jean-Claude pour ce beau projet que nous allons faire avancer ensemble en 2023. À chacun d'entre vous, je souhaite une bonne année, une santé de fer, des petits bonheurs quotidiens avec vos proches. À nous tous, collectivement, je nous souhaite d'éteindre nos téléviseurs et les chaînes d'information continue. Je nous souhaite des moments festifs pour célébrer la vie. Je nous souhaite la fraternité et la solidarité. Comme le disait Martin Luther King,
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons tous comme des idiots. Bon anniversaire, Elisabeth, notre déléguée à l'animation de la ville. Si tu as bien écouté tout ce que j'ai dit, tu as du pain sur la planche. Bonne année 2023. Quelques remerciements à faire. Je remercie les services techniques pour toute l'installation, notamment Bruno et Lenny qui sont de garde ce week-end. Je remercie Mathilde, notre nouvelle responsable communication. Ce sont ses premiers vœux. Bravo Mathilde. Je remercie Cécile, la police municipale, Corinne et Thomas, et les animateurs Liliana, Andrea et Elodie qui s'occupent des enfants au fond. Je vous ai dit combien c'était fatigant. Le conseil municipal des enfants, les jeunes du 31 jeunes et du club ado, présidé par Lou Péliquin et Carla Perrigo, Florian Tuzelin, l'éternel partenaire, de même que Gilles Delcourt qui est à la caméra, notre traiteur à l'heure des mets et le bouche à oreille qui vont maintenant venir jouer pendant que nous passons un bon moment ensemble.